signaler que le 14 septembre à OC, il y a un motocross semi-nocturne. Donc, comme tous les ans, donc à OC, semi-nocturne, motocross semi-nocturne à OC. Messieurs, merci d'applaudir bien fort. Pas moins de 50 vélos anciens modèles, voire même très très anciens modèles. Et c'est parti! Il y a même des tandems. Bravo! Donc, à tout à l'heure. Alors, donc, pendant que nos amis sur leur vélo font leur petit tour dans les rues de Magny, on va donc pouvoir assister au spectacle équestre. Et je vous demande de vous approcher au centre du terrain. On va démarrer donc le spectacle équestre. On va remercier la vélostable qui n'est pas stable du tout. Donc c'est pas évident de rouler avec. Voilà. Mais c'est un très beau vélo. La chaîne n'est pas d'origine. Le vélo de l'âme. François Bert, c'est un magasin. Garde pour moi, Jean pour moi. Et le freinage, je peux l'envoyer avec trop pédale à pédaler pour l'arrière. Pour bloquer. Voilà. Il y avait quand même le frein avant qui était sur le pneu. Mauvaise idée parce que ça abîme les pneus. Ah, merci. Voilà. On a encore un vélo. La marque, c'est Petit Breton. 1925, avec sa lampe à bougie. Merci. Un vélo d'homme, dans les années 30, avec le petit panier, on pouvait mettre un enfant devant. Merci. Regardez pas pour là. Alors celui-là, on appelle, ça a été fabriqué par Gitane, un Mashcool, le cycle. Donc, c'est pas manière si. Ça le fait quand même, mais bon, ça vous tire à droite, à gauche, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouais, t'es voilà. Un plat à l'avant en plus. Merci. T'es un plat à l'avant, c'est comme ça. Voilà, voilà, ça tremble. Donc là, on a un vélo de table. Alors c'est vrai, quand on voit comme ça, on n'y est pas si mieux que ça. Regardez encore une fois plus, la chaîne, le pignon, c'est une dent sur deux. 1913. Ah, on a des petits lots, bah oui, ça nous arrive. Donc on va essayer de se rattraper. On a un peu de course, d'après vous, pourquoi? On va s'arrêter, pourquoi? Deux pignons à l'arrière. Donc c'est un peu de course, d'après vous, à quoi ça s'arrête? Les deux. Comment? Bon tandem. D'après vous, c'est un tandem, regardez-le bien, il a des pignons fixes. D'après vous, à quoi il a vraiment servi? Bon, ceux qui veulent des lots, laissez les autres, merci. Voilà. Donc c'est
C'est sympa comme étage. C'est un landau et bon, bah là, il est habillé naturellement. Et puis la maman, elle voulait emmener son enfant ou faire les courses. Vous voyez ? On va. On va ramasser, vous voyez, vous allez bien les roues. Voilà, et donc après une fois qu'il est clé, bah, vous pouvez partir avec. Donc c'est un vélo d'homme aussi dans les années 30 aussi. Quoi. Voilà, il y a deux roues. Merci. Voilà. Un 5-4, donc très rare. Très rare dans les années 30. Donc moi je ne connais pas énormément, je connais d'autres en osier, puis celui-là il était fabriqué en zinc. C'était la réalité plutôt plus artisanale. Mais c'est une très belle pièce. Voilà. Merci. Bon, voilà. Attachez à vos pieds. Attention. Oui. Donc celui-là, vous voyez bien, il n'y a pas de chaîne. Donc on n'a rien à faire, c'est le fameux vélo à carbone. Donc dans les années 30 aussi, avec le panier, et on pouvait mettre un enfant dedans. Voilà. Mais par contre, l'inconvénient, c'est quand même. C'est lourd. Vous avez quand même des pignons d'engrenage, c'est pas au top. Et aujourd'hui, on en fait mettre en place. Voilà, voilà. Ah, mes frères, mes frères, toujours accompagné, les curieux comme d'habitude, il est pas là encore. Là, nous avons un vélo d'homme 1932, et le freinage, c'est peut-être envoyé aussi, pour être en pédale. Avec sa lampe à carbure. Lampe à carbure, vous connaissez un peu le fonctionnement de la carbure. Ici, vous avez un réservoir, mettez la pierre, hein, ensuite le réservoir d'eau, goutte par goutte, tombe sur cette pierre, et hop, le gaz sort avec son plan. C'est explosif. Et là, c'est l'eau de vie, là. Là, c'est l'eau de vie, c'est pour ça qu'il coûte cher. Très cher, je vais lui mettre de l'eau, mais non, mais non. On peut essayer de garder.